Avant de commencer, prends le temps de t'installer confortablement. Le dos relativement droit, assis en tailleur ou sur une chaise. Installe tes épaules. Place bien ta tête en équilibre sur les épaules. Le sommet du crâne dirigé vers le ciel. Et le sacrum en direction de la terre. Commence par faire trois grandes inspirations, expirations. Libère le ventre. Puis poursuis trois grandes inspirations, expirations en gonflant la poitrine. Vide bien tes poumons à chaque expiration. Relâche-toi pour laisser rentrer librement l'air à l'inspiration. Tu peux encore prendre le temps de placer ton corps. Placez tes bras, les pieds. Continuez à rester centré sur le souffle. Le va-et-vient du souffle. Comme une brise dans ton esprit. Un courant d'air sur tes poumons et ton cœur. Comme une purification, un nettoyage de ton cœur et de ton esprit. Pendant toute la méditation, tu feras le choix d'une métaphore, d'une analogie pour considérer le passage de tes pensées. Imagine que ce sont des petits ballons qui s'envolent dans le ciel ou des nuages qui passent. Installés sur le quai d'une gare, des wagons qui défilent devant toi, sans jamais monter dans le train. Ou des vagues qui se forment et se déforment sur l'océan. On va rentrer tranquillement vers un état de concentration, sans force, mais avec intention et volonté. On prend vaguement conscience de l'état physique des tensions. De l'intensité, du fonctionnement de nos pensées, de notre mental. Pour l'instant, on est traversé par le souffle qui calme et purifie le cœur et l'esprit.
Tu es tranquillement installé. Le premier pas a été de t'isoler. Le deuxième de t'immobiliser. En aucun cas les bruits environnants sont un souci, un obstacle à la méditation. Ils peuvent être intégrés puisqu'ils passent comme des vagues, comme des wagons. Eux non plus, ils ne sont pas permanents. Ils vont et ils viennent. Sans obscurcir davantage ton mental. Si tu n'y prêtes guère attention. Entraîne-toi maintenant dans un mouvement ascendant sur l'inspiration à faire monter le souffle en direction de la tête le long de ta colonne vertébrale. Fais-le redescendre à l'expiration en direction du sacrum du plancher pelvien. Pour t'aider à rester concentré, rajoute une visualisation. Par ton regard intérieur, suis ce trajet. Le souffle qui monte, puis qui redescend. Petit à petit, tu apprends à te concentrer. Petit à petit, tu apprends à ne pas être contrarié quand cette concentration deviendra difficile. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Son nid de rentrer chez soi. En soi, dans cette période la plus propice qui nous a jamais été offerte. Au-delà des angoisses que tu n'ignoreras pas, mais que peut-être tu transcendras. Je vais t'apprendre aussi à ne pas être toujours guidé par ma voix, mais à travailler seul dans le silence, puisque c'est là que tout se passe.
Comme toi, je travaille à perfectionner mes méditations. Avec toi, nous nous soutenons mutuellement. Grâce à toi, moi aussi j'avance. Continue un petit instant, le balayage respiratoire et visuel. Seul avec toi-même, en la présence de toi-même. Avec confiance, sérénité et paix. Sur les prochains passages de ta respiration le long de ta colonne vertébrale, du sud vers le nord et du nord vers le sud. Essaye de repérer si dans ton corps il y a des lieux de tension, des nœuds ou des blocages. Si c'est le cas, tu vas préciser le balayage de la même manière, avec la même respiration, mais sur cette zone précise de tension. Tu vas ramener ton attention sur la zone. Et d'un mouvement du sud vers le nord et du nord vers le sud. Visuellement et en respirant, tu vas balayer la zone. Pour les autres qui n'ont repéré aucune zone de tension aujourd'hui, je vous propose de raccourcir le balayage. Vous allez situer la zone à partir de la pointe du sternum
jusque dans la tête, à l'inspiration et à l'expiration, de la tête jusqu'à la pointe du sternum. Prenez conscience que sur le trajet, il y a le cœur plus ou moins au centre et il est entouré de vos deux poumons. Ils se massent mutuellement au battement de votre cœur, au rythme de votre respiration. Et on va tenter maintenant un exercice de rester pour vous avec cette concentration pendant les 5 prochaines minutes avec vous-même dans le silence. Restez attentif si vous percevez des changements dans votre ressenti et vos sensations. Voilà, une première étape dans nos méditations a été franchie. Il en reste encore beaucoup d'autres. Prenez le temps de rester installé comme vous êtes, sans concentration particulière,
pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'élan et l'envie vous viennent de vous dégourdir les jambes, de vous étirer, de bâiller et de rouvrir les yeux sur un autre monde. À bientôt.